Vous avez découvert l'alimentation à index glycémique bas et vous avez envie d'essayer, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment fait pour vous. Dans cette vidéo, je dis à qui s'adresse cette alimentation à IG bas et à qui elle ne s'adresse pas. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres en nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine qui leur permette d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors, à qui cette alimentation ne s'adresse pas? Tout d'abord, je vais la déconseiller aux personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique et surtout quand leur rein a des difficultés à éliminer le potassium. En cas d'insuffisance rénale chronique, le rein peut avoir des difficultés, surtout à un stade avancé, à éliminer le potassium et l'alimentation à IG bas est riche en potassium via les légumineuses, via le pain intégral, les céréales complètes, les fruits secs qu'on consomme. Donc ce n'est vraiment pas fait en cas d'insuffisance rénale chronique, donc évitez cette alimentation-là. Ce n'est pas fait non plus pour les personnes qui souffrent de diarrhée chronique et notamment qui ont vraiment des difficultés à manger des fibres, qui dès qu'ils augmentent leur consommation de fibres ont des douleurs intestinales, des diarrhées, des choses comme ça. L'alimentation IG bas est riche en fibres, donc attention, si vous êtes vraiment très sensible au niveau de l'intestin et que vous ne supportez pas le pain complet, les céréales complètes, etc., ce n'est pas fait pour vous non plus. Et le troisième cas, je pense que l'alimentation à IG bas ne vous plaira pas, ne vous intéressera pas si vous n'aimez pas cuisiner. Je pense que pour cette alimentation-là, il faut cuisiner un minimum. Alors, on n'a pas besoin de passer 2 heures en cuisine pour chaque repas, mais il faudra quand même éviter un certain nombre de plats du commerce qui ne sont pas IG bas et donc cuisiner un minimum. Alors, par contre, si vous aimez cuisiner, là, vous allez faire de superbes découvertes et ça va vraiment vous plaire. Alors, à qui est donc faite, pour qui est faite cette alimentation à IG bas? Ben, vous voyez que finalement, tous les autres, toutes les autres personnes peuvent tester cette alimentation et notamment, ça va être vraiment très intéressant en cas de diabète, par exemple de type 2. Parce que l'alimentation à IG bas, donc forcément l'index glycémique bas, permet de limiter l'impact glycémique des aliments, donc d'avoir une glycémie plus stable, un taux de sucre plus stable au quotidien et de réduire les besoins d'insuline. D'autre part, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'insuline également, donc ça permet vraiment de maîtriser le diabète. Et là, je vous assure qu'en cas de diabète de type 2 ou de diabète gestationnel pendant la grossesse, c'est vraiment, vraiment intéressant d'adopter cette alimentation-là. C'est intéressant également sur de très nombreux aspects santé, notamment pour réduire les inflammations dans l'organisme, puisque le sucre et les produits raffinés augmentent les inflammations dans l'organisme. C'est intéressant également pour les personnes, les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, puisque ce syndrome est très souvent associé à un hyperinsulinisme et à une résistance à l'insuline. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est très intéressant d'adopter une alimentation à index glycémique bas. C'est intéressant également pour réduire le taux de cholestérol, pour réduire la tension artérielle, pour tout un tas d'autres aspects santé. Je vous garantis que c'est vraiment une alimentation saine et santé avant tout. Ça va être aussi intéressant si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez besoin de perdre quelques kilos, même plus de kilos, ça peut être 3, 5, 10, 15, 20 kilos sans aucun problème. Pourquoi je recommande cette alimentation? Parce que ce n'est pas un régime, c'est une alimentation saine et savoureuse. On ne va pas supprimer les aliments, on ne va pas supprimer le sucre, le chocolat, on peut manger de tout. Il faut simplement apprendre à sélectionner les bons aliments. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette alimentation à IG bas, c'est que c'est une alimentation rassasiante. Vous avez moins faim, moins envie de manger. Ça réduit aussi les envies de sucre. Donc si vous êtes accro au sucre, ça peut vraiment vous aider à vous délester de cette addiction au sucre. Et puis, il n'y a pas de frustration avec cette alimentation. Je vous ai dit, on ne supprime pas d'aliments, donc ça permet en fait de suivre cette alimentation minceur de façon durable. On n'a pas à craquer, on ne craque pas parce qu'il n'y a pas de frustration. On peut s'autoriser des petits plaisirs.
Donc si vous avez vraiment envie de tester cette alimentation pour perdre du poids, ben vraiment je vous encourage à la tester parce que c'est que du bonheur. Ensuite, cette alimentation, je pense qu'elle est faite aussi pour le bien-être. Le fait de réguler sa glycémie, d'avoir une glycémie plus stable, permet aussi d'avoir une humeur plus stable, d'avoir moins de sautes d'humeur en fait. Donc on est plus joyeux au quotidien. Donc ça, je pense que si vous expérimentez cette alimentation, au bout de quelques semaines, vous allez le remarquer. Et puis en termes d'énergie également, si vous êtes sportif ou pas, mais en tout cas cette alimentation permet d'éviter les coups de barre, les coups de mou comme on dit dans la journée. Quand on est sportif, ça permet d'améliorer les performances, notamment au niveau de l'endurance. Ça permet d'améliorer également la récupération sportive. Donc il y a tout intérêt en fait à tester cette alimentation, hein, que ce soit pour la santé, pour le bien-être ou pour la minceur. Donc, si vous êtes convaincu et que vous avez envie de tester, ben, je vous encourage à aller voir mon blog passionnutrition.com. Vous avez l'accès direct dans la description de cette vidéo, là, tout en dessous. Et puis, inscrivez-vous à la newsletter pour commencer et puis vous recevrez un e-book gratuit avec une semaine de menu, quelques recettes. C'est l'idéal pour voir si vraiment vous accrochez avec cette alimentation et si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà pour cette vidéo, j'espère que en tout cas vous faites partie des personnes qui peuvent tester cette alimentation et pour qui ça va vraiment apporter un certain nombre de bénéfices. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo, à la commenter bien sûr, je suis toujours ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.